Et bonjour internet, bonjour les amis, c'est Kaz, bienvenue sur Guild Wars 2. Ça faisait longtemps que je vous ai pas proposé un petit peu de contenu sur Guild Wars 2. Et bah je suis retourné pour la nouvelle extension. Donc je vous retrouve avec grand plaisir. Pour rappel, Guild Wars 2 les amis, c'est quoi? C'est un MMORPG qui a une base free-to-play, c'est-à-dire que le jeu de base, le jeu sans add-on, sans DLC, sans extension, est totalement gratuit. Donc vous pouvez jouer dès maintenant, lien en description, vous faites votre compte, vous amusez tranquillement. Il y a des centaines d'heures de jeux déjà disponibles, rien que sur la version gratuite. Par la suite, si vous voulez plus de contenu, il y a les extensions qui sont disponibles, dont la dernière extension qui est là, et elle est disponible, enfin, elle est sortie il y a quelques jours, Secrets of the Obscure, de son petit nom. Donc voilà quoi, de quoi s'y mettre. Secret of the Obscure, ça rajoute plein de trucs, donc bien évidemment encore une nouvelle histoire, une nouvelle storyline que vous allez pouvoir suivre avec votre personnage, avec vos personnages de compte, avec vos persos quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le système de monture qui a été un peu plus amélioré, il y a un système de reliques. Le système de reliques c'est quoi? Bah c'est des trucs que vous allez pouvoir appliquer à votre personnage pour avoir des bonus, donc en gros ça va pouvoir modifier un peu les builds, c'est pas mal. Il me semble que j'ai une relique, j'ai plusieurs reliques dans mon sac, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y a ça, et il y a surtout aussi bah, le fait qu'il y aura toujours des mises à jour régulières, ça vous le savez, Guild Wars 2 est toujours habitué à avoir des sorties régulières, et là notamment tous les trimestres il y aura du nouveau contenu. Voilà, vous savez tout, lien en description si ça vous intéresse. Vous voyez, les reliques c'est ça, par exemple, je sais pas, relique de la meute, si vous conférez super vitesse aux alliés à proximité, si vous utilisez une compétence d'élite, et toutes les 30 secondes, c'est possible. Ok, donc on va regarder un petit peu au niveau des quêtes, comment on peut faire ça. Donc dans Chronique, je vais dans Secret of the Obscure, je fais commencer l'histoire, et normalement je suis sur le prologue des temps incertains. Prologue des temps incertains, découvrir ce qui se passe au logis du chasseur. Lisons le message de Braham. Donc là on est vraiment sur le tout début de l'extension. Commandant, la planque du voyageur au logis du chasseur est bondée. Et vous êtes convoqué afin de régler la situation avant que Knut Ours Blanc ne soit forcé d'intervenir. Rendez-vous à la planque du voyageur dès que possible pour éviter toute forme de jugement hâtif susceptible d'impacter négativement votre hébergement. Découvrez ce qui se passe au logis du chasseur. Donc le logis du chasseur, pour rappel, c'est ici. Hop, donc on va faire un TP direct à Holbrach. La grande loge, c'est la zone perso. Hein. C'est une des zones perso du jeu. Ici, et ben on y va, entrer dans l'instance. Logis du chasseur, lieu de résidence. Voilà. Mais voilà, une fête s'impose, votre champion est de retour. Votre champion est de retour. Alors, allons voir ce qui se passe. Là, il y a un défi de héros disponible. Évaluer le problème sur personnel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le courrier fixait le rendez-vous ici. Je suis peut-être en avance. Le commandant, champion d'une dragonne ancestrale, le sujet de tous les ragots en Tyrie, en chair et en os. On se connaît? Mirai, du journal de Kansa, service des informations internationales, enquête de curiosité et d'histoire de la Tyrie centrale. Vous auriez quelques minutes pour discuter? Vous avez un sacré passé et le peuple mérite d'en savoir plus. Je pense pouvoir vous accorder un moment. Parfait. Venez, discutons. On n'en a pas eu l'occasion quand vous étiez encore en Kansa. Une personne de votre calibre a sûrement des quantités de choses à dire, mais commençons par ça. Vous avez tué Suwon et sauvé le monde. Vous avez mis fin au règne des dragons ancestraux. Ça fait beaucoup à digérer. Vos sentiments? Alors, beaucoup de gens ont participé à ces événements. Leur avez-vous parlé? Voilà un point de vue intéressant. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent, à cause de votre incapacité à diriger, d'être le principal responsable d'événements catastrophiques qui ont affecté la Kanta? J'ai toujours agi en tenant compte de toutes les informations disponibles sur le moment. Le sujet est sensible, manifestement. Passons à autre chose, d'accord? Pensez-vous que le monde est un endroit meilleur sans les dragons ancestraux, sans le cycle que nous connaissons depuis d'innombrables générations? Pour les vies que nous avons sauvées, je pense que ça valait la peine d'y mettre un terme. Vous marquez un point. Parlons un instant de vous. Qu'a prévu le légendaire commandant? Des projets que vous aimeriez dévoiler ici en exclusivité pour mon public? Il reste encore beaucoup à faire pour transformer la Tyrie en un endroit meilleur. Je trouverai quelque chose. Maintenant que nous avons fini avec ces questions, venons-en à l'essentiel. Ah. Du scandale, des morts, de la romance. Donnez-moi les détails juteux. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. À maintes reprises, nous avons empêché un désastre et perdu des amis en chemin.
Mais maintenant que le cycle des dragons a pris fin, tout est en paix. La retraite du commandant du pacte est hantée par les cauchemars du passé, par les cris de la guerre. Je ne l'aurais peut-être pas formulé que... Oh, mince, une urgence. Ça vous embête si... Je crois que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Vous verrez, votre nom fera les gros titres de toutes les chroniques de Thierry. Merci, commandant. Comptez sur moi pour relater votre histoire avec autant d'authenticité et de précision que possible. Ok, étonnant. Hey, commandant, c'est Tami qui m'envoie un message. Désolé de cette note antique, mais alors que je travaillais avec Yao et Jun, les communications sont devenues absolument essentielles pour résoudre le problème énergétique. La bonne nouvelle, c'est que nous avons sacrément amélioré le système de communication que j'avais mis au point. La mauvaise, c'est que je ne peux pas mettre à jour le système. Je dois transmettre l'amélioration à chaque utilisateur. Or, il n'est pas possible d'être sur le réseau amélioré sans avoir reçu la mise à jour, d'où ce message. Voici une puce de service à usage unique qui installera automatiquement la mise à jour de vos communications. Une fois que vous aurez effectué cette mise à jour, vous n'aurez pas besoin de faire quoi que ce soit. N'hésitez pas à tester le système. D'accord. Alors on va essayer ça. Je prends. Donc améliorer. Appareil de communication amélioré. L'appareil de communication amélioré est accessible depuis votre inventaire. Ici. Cette puce de service de technologie de Jade améliorera l'appareil de communication. Hop. Donc on va essayer. On va appeler Tami, voir. C'est Tami. Je ne peux pas vous parler pour le moment. Ok. On est sur une espèce de répondeur. C'est rigolo. Laissez-moi un message et je vous recontacte. C'est rigolo comme tout. C'est tellement génial. Oh, Tami. C'est rigolo. Ok, d'accord. Appelons Yvan. Non. Bon sang. Je vais demander un petit instant. Désolé pour ça. Igorik a décidé de faire monter toute une colonie de manques puisseuses à bord de mon aéronef. Et les chats de quelqu'un n'arrêtent pas de les tuer! Et j'espère que la situation est moins chaotique où vous êtes. Et si jamais vous vous ennuyez, j'ai du travail pour vous. On pourrait s'en occuper, mais on est débordé. Si je m'ennuie, vous n'avez pas idée. Nous avons entendu parler de certaines occurrences étranges qui se passent dans le coin de la ville de Garenos, dans les collines de Kessex. Pas de détails précis, mais une personne a déclaré que le cœur de la ville avait disparu. Pourriez-vous aller y jeter un œil? Oui, pas de problème. J'ai besoin de m'occuper. Tout le monde est... Gorik, repose-la! Désolé, commandant, je dois filer. Je crois que quelqu'un veut organiser une mutinerie. À bientôt. Tu vois, tout le monde va très bien, Oren. Ok, étonnant. Faut qu'on se rende à Garenov dans les collines du Kessex. Bon, on y va. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Il y a une espèce d'urgence. Il y a quelque chose d'étrange qui s'y déroule. Donc, allons-y. Colline de Kessex. Alors, rappelez-vous, les collines du Kessex, c'est une zone de leveling niveau 15-25. Alors, ce qui est pas mal avec Guild Wars 2, ce que j'aime beaucoup, c'est que généralement, c'est un jeu... C'est peut-être plutôt là-dedans. On va voir. C'est un jeu où tu reviens dans les anciennes zones. Et ça, c'est bien. Du coup, ça les laisse vivantes. Alors, à votre avis, c'est au-dessus ou c'est en dessous? C'est dedans? C'est pas dedans? On va aller par là, déjà. Passage du Léviathan. Passage de Viathan, pardon. On va aller voir ce que on peut y trouver. Le point de passage que vous avez sélectionné est désormais contesté. Vous avez été dirigé vers le point de passage allié plus proche. Ah oui, il y a un event. Ah, un joueur de niveau en cours de la vie. Un petit niveau. Dac. Ok, parce qu'il me dit pas où c'est. Ici. C'est là-bas. Ah bah, je TP alors. Se rendre à Garenov dans les collines de Kessex. Garenov. Ah, c'est ça, Garenov. D'accord. Je savais pas que c'était Garenov. Bon. Bon, on y va. Et Bazou, direction Garenov. Je suis pas le seul à y aller, donc nous serons plusieurs. Je vais prendre mon Raptor en tant que monture pour avancer un peu plus vite. Et je vois qu'il y a pas mal de joueurs qui font des allers-retours, donc c'est là que ça se passe. Nous sommes plusieurs. Il y en a beaucoup qui ont des montures qui volent, hein, volantes. Hein. Information obtenue. Chaque fois que le bébé me réveille, je vais faire un tour avec lui. Ça fonctionne. Ah, de quoi il parle?
Quand on a tourné au coin, j'ai réalisé que la tour ne masquait pas la lune, comme c'est toujours le cas à cette heure-là de la nuit. Ah, et puis la lune. Elle a juste disparu. Elle était là quand je suis rentrée du marché. Elle était là avant qu'on aille se coucher. Quoi, la lune? Et maintenant, elle a disparu. Est-ce que c'est la lune? Tu n'as pas senti une odeur bizarre ou vu quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Non. Quelle est cette étrangeté? Elle a une jambe de bois, la dame. Disparue. Enfin, magique. Je crois qu'elle nous a quittés. Bah alors qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a plus la lune? Les gens sont fous. Faut qu'ils arrêtent de boire du poisson fermenté, là, ça leur fait tourner la tête avec du lait de poule. Alors, le garde civil Pléchy. Que dois-je faire? Les villageois posent des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Ah, le maire, il est perdu. Parlons à notre garde. Comment est-ce que je suis censé protéger cette ville maintenant? Je suis seul. Qu'est-ce qu'on a fait pour repasser la tour? Ah, il y avait une tour, il n'y a plus la tour. C'est pas la lune qui a disparu, c'est la tour. D'accord. Je cherche des renseignements. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne savons pas grand-chose, à part que la tour a disparu et que les villageois sont perdus sans elle. Le maire marin et moi faisons notre mieux pour calmer les gens, mais les troupes ne vont pas tarder à arriver. Merci pour l'info. Donc il y a la tour qui a disparu. Ok. Donc ils avaient une tour, ces gens-là. Et elle a complètement disappear. Incroyable. Ah. Vaincre les villageois terrifiés. Et ben on va faire l'event, hein, écoutez. Zou. Je rappelle aussi dans Guild Wars, pour ceux qui connaissent pas, ce qui est vraiment sympa, c'est déjà qu'on tourne dans les anciennes zones, parce qu'il y a toujours des events. Et vous avez des événements dynamiques qui se lancent sur la carte. J'en ai assez que les gens prétendent connaître le magicien. Le magicien. Il n'y a pas de visite guidée, on n'a jamais rencontré Isgaren. Il est... Pardon. Alors, Isgaren. Si on parle de magicien, on parle de Isgaren. Et on fait pourtant comme si on savait de quoi on parle. On fait ce qu'ils savent. Ok. En fait, on ne sait rien. Et maintenant... Elle a disparu. Je sais pas où elle était cette tour. Je m'en rappelle plus. Ça fait très longtemps que je suis pas allé dans cette zone. Je ne me rends pas compte d'où se trouve la tour. Je peux pas les rassurer. Normalement. Alors allons parler aux autres habitants. Il y en a au-dessus de moi. Donc la tour a disparu. Il y a un sorcier qui s'appelle Isgaren. À mon avis, qui doit être mêlé à tout ça, hein, en théorie. Oh, j'ai cru que j'allais tomber. L'achat. Bienvenue à Garenhof, on s'insège du château d'Isgaren. Si vous avez des questions, faire de mon mieux pour y répondre. J'enquête. Vous êtes aveugle, la tour du sorcier a disparu. Je suis désolé, nous sommes tous au bord des nerfs ces temps-ci. Le village a subi une perte tragique et le maire est pas très utile. Je vais demander à d'autres personnes. Dac. Hop, on va faire un petit jump. Alors attention, voilà. Je sors le deltaplane, ça c'est un réflexe. C'est quoi, tu crois? Pour éviter de se faire mal. Isgaren va bien? Je ne sais pas. Ça fait bizarre, qu'on soit plus là. Donc plus de tours, plus de sorciers, plus d'Isgaren. Et les gens sont perdus. Tu trouves pas ça étrange? Non, je te comprends. Ok, allons voir le maire. Le maire est perdu, mais peut-être qu'il en sait un peu plus sur cette histoire de tour qui disparaît. Je cherche des renseignements sur la situation. Que se passe-t-il? La tour de sorcier qui flottait loin dans le ciel au-dessus du village. Ah, donc elle flottait de base, d'accord. Et qui veillait sur nous a tout simplement disparu. Aucun d'entre nous ne sait ce qui est arrivé. Maintenant, les villageois sont terrifiés. Est-ce que quelque chose aurait pu éveiller les soupçons? Maintenant que vous me faites penser, il y avait un groupe de personnes suspectes qui a débarqué tout juste après. Mais ils n'auraient pas pu, je veux dire. Je ne crois pas qu'ils soient inquiétés. Peut-être. Qu'est-ce que vous pouvez m'apprendre sur ce groupe? Ils observaient certains des résidents les plus vulnérables de la ville, ceux qui ont été les plus touchés par la disparition de la tour. Je vais vous montrer où ils vivent, peut-être qu'ils pourront vous en dire plus. Donc on va parler aux habitants terrifiés. Et certains vont peut-être se transformer là. Non, 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 c'est pas possible! Elle ne peut pas avoir disparu, c'est impossible! Ok, donc les villageois terrifiés ont tendance à péter des plombs. Donc on y va. Résolution et gîte rapidité. Alors, je fais pas masse dégâts, mais c'est... je suis resté sur un de mes anciens builds qui était un build de tank pour notamment le PVP, là, le MCM, le monde contre monde. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Guild Wars, sachez qu'il y a plein de modes de jeu. Là, on est dans le mode histoire où on se promène, où on fait les quêtes, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le mode MCM, monde contre monde, où en gros vous allez pouvoir faire du combat en contre royaume, et ça c'est stylé. Vous avez aussi des combats PVP en arène plutôt classiques, hein, comme on retrouve sur le MMORPG, le Battleground. Bref, il y en a pour tous les goûts. Il faudra que je change de build à un moment donné, parce que là quand même c'est beaucoup trop tanky. Alors je perds pas du tout de vie, mais je fais des dégâts de mouche, de moule. Retournez voir le maire. Ok. Où
Où est-elle allée ? Ce n'était que des mensonges. J'ai tellement honte, les gens de cette ville n'auront plus jamais confiance en moi. Mauvaise nouvelle, les villageois n'avaient pas toute sa dette, a été attaqué. Par les 6, vous avez mes plus sincères excuses, j'espère que vous avez fait preuve de clémence. Ces gens ont déjà tant perdu. Ces villageois semblaient désorientés. Pouvez-vous me dire autre chose ? Lacha a dit qu'elle avait vu quelqu'un en dehors de la maison sur la falaise, en appelant sur le quai. Mais cela fait longtemps. Allez, on va aller voir. Donc, la maison en appelant sur la falaise. Bah, c'est juste au-dessus, en fait. En aplomb. Est-ce que c'est la maison qui est pile au-dessus ? Bon, il n'y a pas plus de maison ici. Cherchez la maison où les individus suspects ont été vus pour la dernière fois. Je me promène. Bon, je ne sais pas si on peut rentrer dans diverses maisons, je ne pense pas. Ah, là, regardez. Là, c'est ouvert, à mon avis. On y est. Fouillez la maison à la recherche d'indices. On y trouve une dague. Cette dague plantée dans la table semble d'origine naine. Le forgeage est exquis, mais la lame est enfoncée très profondément. Qu'est-ce qu'il dit ? La personne qui a laissé ceci était soit furieuse, soit pressée, soit les deux. La flaque est encore humide. Une flaque d'huile de cuisson ordinaire. Une affiche. Cette affiche, dans lambeau, présente un dessin d'un Quaggan vêtu d'un costume picoté de flammes. Pourquoi ce Quaggan sort-il partout et toujours sous un autre nom ? Ok. Alors on est plusieurs en train de fouiller la maison. Une éclaboussure d'une mixture visqueuse souille le plancher en bois. Une odeur de viande en décomposition et de fuite au mur en émail. Non, mais c'est dégueulasse, on va trouver un cadavre au moins là. Ah, une note laissée. Allons-y, lisons la note laissée par les individus suspects. Alors, Mangouste, la situation est grave et de plus en plus sinistre. Nos prédictions n'étaient pas loin du compte comparé à nos constats sur les fluctuations astrales. Le groupe se dirige vers le champ de Carnabonde. Bon, et bon, on y va. On va jeter un œil sur le champ de Carnabonde. Donc, il se passe un truc là. Il y a un groupe, c'est louche. Le champ m'a dit que c'était. Ça, c'est le TP. Ça, c'est la zone. Et le champ, il était par là, je crois. Ici. Parfait. Ah, c'est juste avant la grande ville, la capitale. L'Arche du Lion. Non, j'ai pas fait attention. Je suis allé un petit peu vite. On va regarder. Est-ce que c'est juste avant l'Arche du Lion, ça ? C'est juste avant l'Arche du Lion. Alors, allons voir, se rendre au champ de Gandaran pour mener l'enquête. Il y a quand même beaucoup de monde in-game, hein. Je suis assez ravi de retrouver pas mal de joueurs, ça bouge, c'est actif. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver ici ? Menons l'enquête. Ah, des personnes suspectes, une sonde d'énergie. Le clan de la Lune a subi encore une victime ce matin. Arina s'inquiète. Et deux autres près de Salma hier. Une sonde d'énergie. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce... Quelqu'un approche. Ce n'est que moi. Qu'est-ce que c'est que cette sonde étrange ? On peut pas leur parler à ces gens-là ? Il y a un campement. Parlons aux inconnus. Personne suspecte. Vous allez devoir vous en aller. Vous n'avez rien à faire ici. Ah bon ? Je ne vous avais jamais remarqué ici. Alors j'ai eu envie de vous saluer. Fichez le camp. Quitter la zone. D'accord, alors il y a des personnes louches. Ils veulent que je me barre. Ils ont un marchand. Dites-moi plus sur vos amis présents. Parlez-moi fort, ils sont sur les nerfs. C'est sûr, et je ne sais pas plus que vous. Ils sont sortis de nulle part, il y a un jour ou deux. Ils ont dressé un camp, ils sont restés là. Alors on va faire ça avant de partir. Il va bien se passer quelque chose. Utilisez l'appareil de communication amélioré pour tenir au courant Ivan. C'est louche, cette histoire. Yvan. Je suis occupé pour le moment, alors je ne peux pas. On dirait que je vais devoir me débrouiller. Je devrais attendre la nuit pour essayer de me faufiler. Trouver un point de vue sûr depuis lequel observer le camp. Ça, c'est un point de vue sûr, je crois. Je pense pas, hein. C'est moi qui ai mis un marqueur là-dessus. Je pense qu'un point de vue sûr. Ah, là-dessus. Malin ! Malin sur le moulin ! Ou c'est pas un moulin, ça c'est quoi ? La tour de guet, simplement. Oups. Et on y va. Oh zut, j'ai raté l'escalier. On commence. Attention, je suis en train d'aggro la map. Allons dans la tour de guet. Observons. Que se passe-t-il ? Fouille des campements à la recherche d'informations. Ok.
Ben, les amis, ça, ça sera l'objet d'une future vidéo pour commencer l'histoire Commandant sans cause. Ok, Secret of the Obscure, les amis, ça y est, c'est disponible, c'est vient de sortir. N'hésitez pas, lien en description si vous voulez l'acheter. Si vous voulez jouer au jeu de base gratuitement, allez-y aussi. C'est Guild Wars 2, c'est reparti pour une longue histoire, une bonne storyline et des nouveautés, que ce soit les reliques, que ce soit les montures, que ce soit tout ça, enfin vous le savez. Et n'oubliez pas que si vous jouez à Guild Wars 2, tous les trimestres, il y a des grosses mises à jour, ce qui rajoute du contenu. Je vous dis à très bientôt, n'hésitez pas à réagir, merci beaucoup pour vos pouces, vos likes, partage, abonnement. C'était Kaz et à la prochaine.